Chers amis, nous voici arrivés à une troisième étape en notre temps d'avant 2020. Même si parfois nous sommes surpris et désemparés par la tournure des événements, aujourd'hui nous sommes invités à nous référer encore à Saint Paul qui nous écrit aujourd'hui une bonne nouvelle. Soyez toujours dans la joie et priez sans relâche. Après nous avoir souhaité la paix lors du premier dimanche, cette fois, le but fixé est la joie. Être toujours dans la joie, est-ce utopique? Pour y arriver, Saint Paul nous invite à prier sans relâche, sans se fatiguer, sans se lasser, sans perdre courage. Cette année, nous serons obligés d'avoir moins de parties en ce temps d'Avent. Prenons ce fait comme une chance pour vivre ce défi de prier sans relâche, ce qui nous conduira à coup sûr à vivre une joie plus authentique, plus enracinée. Bonne fin d'Avent.